Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre aimable attention à notre rendez-vous quotidien sur votre chaîne, la chaîne d'excellence RDC Monde. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre 2021. C'est un plaisir pour moi de communiquer à votre endroit sur le sujet d'actualité qui défraye la chronique en République démocratique du Congo. Déco, Tozobe Talisolo, il y a rebondissement en affaire, il y a Floribert Chebeya, na Fidel Bazana. Floribert Chebeya, Boyebi, Azalaki assassiné en 2010, procès Salama, Ezala arrêté, rebondissement, procès Zongi, bah, révélation, il y a Makasi et Salami Nakati, il y a audience, et c'était Naki, mercredi 13 octobre, na bah audience foraine na prison militaire Yandolo devant la haute cour militaire makambu ya somo ya solo ebimi kuna je eu froid au d'autant on a yoki makambu wana tozobeta yango na kati ya émission na biso ya mibale nous allons parler du lancement il y a projet il y a Kinshasa oyo le premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde a salaki lobby eleki entre la route université na victoire un projet qui vise d'après Malobanaye lutter contre bambouteillage mais aussi lutter contre manque il y a difficulté à circulation oyo et à la canaville province de Kinshasa, Likolo Evangela et Beba. Donc pour Nabango, Bamouni était réponse na qualité contre embouteillage. Ezali, bien entendu, Makambo ya Batonga, basala Projoana. Projoana, pour rappel, Ezali, il y a 24 km carrés. Ezali, projet concerné 46 acteurs. Il y a Kinshasa et qu'on dirait 6 mois et puis coût global il y a projet wana ezali 32 millions to kobeta ngona kati ya émission désactivation ou réactivation parce qu'après désactivation ça n'est suivi réactivation lobby j'ai dit toi biango ndenge mikolo utyo leka le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique le professeur Tony Mwaba a désactiver qui ben école et belé oya monaki yango fictive et après qu'on désactive yango attaque commission bah commission pour que balande la fiabilité ben école parce que oui bien on a République démocratique du Congo corruption l'équipe mingi moyibi et kota batu tina aden les gens avaient créé des écoles fictives des écoles qui n'existaient pas pour balia comme misolo ya l'état et les ministres comme patron d'enseignement primaire, secondaire et technique, a décidé qui a désactivé l'école où ils allaient fiabilité. Une commission a été instituée et après, ma conclusion partielle, il y a commission on a et démontré que certaines écoles ils allaient fiables et les ministres a annoncé hier qu'il y a zongi si l'école on a la liste il y a payé il y a secop. Ce qui est une très bonne nouvelle pour nos enseignants mais aussi pour nos parents tout comme élèves où ils attendent dans l'école on a. Dernier sujet, le quatrième sujet bien entendu, Tourbe Tamasolo et marche, il y a Lamouka. Lamouka a projeté une marche pour le samedi 16 octobre dans la ville province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Mbaka, a pris acte, parce que nous sommes dans un régime d'information, on n'autorise pas une marche, on prend acte d'une marche, à prendre une acte, il y a marche, voilà, mais à définir aussi Nabango itinéraire. Nzelo Fobatambola et d'aider à instruire inspecteur provincial de la ville province de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des manifestants, mais tout comme Yabatunion Sobazali concerné dans la manifestation. Et aussi, il a demandé à Bougoumestre et à Gaba, parce que l'itinéraire est au Mandana Gaba, à prendre des dispositions administratives à son niveau pour que marche à la sécuriser. Est-ce, Ezali, effervescence, il y a démocratie? Est-ce, marche Oyo et reconnaître l'entravité par rapport à la dérive sécuritaire? Est-ce que M. Martin Fayulu, l'honorable Martin Fayulu, va continuer à misapiter? Nenge la police mais ça ni ko tchaï tchakaï ni sapi partout na ma marche azali ko organisé on va tenter de donner ma réponse na kati émission na biso tobani na sujet ya liboso c'est ce qui concerne la mort le meurtre de deux activistes des droits de l'homme en 2010 ezali bongo
Monsieur Floribert Chebeya, qui était, bien entendu, le coordonnateur de l'ONGD La Voix des Sans Voix. Il a été tué en 2010 dans un complot au l'État congolais. C'est-à-dire l'État congolais à travers ses services, notamment la police, Baboma Kiye. Il a été tué na Mitendi, Babo Akinzo Tonae, na Balabala, bati préservatif capote na Nzo Tonae, comme quoi pour assimiler ngo kakufaki parce que azalaki kosala pité. Et on a pris son chauffeur aussi, Babo Mie, Bakei Kokundaye. Na Mitendi, le chauffeur a été enterré à Mitendi na lupango ya général Djadidja. Et yé babwakaye côté ya Bamboudi. Donc Floribert Chebeya a été abandonné côté Bamboudi batinjo tonaye ba préservatif ainsi de suite. Le procès salama, mais comme beaucoup de gens impliqués na katia dossier wana bazalaki na pouvoir ya régime passé ba blocage dossier procès banda salama malamuté. Ils ont suspendu et là avec l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République, la famille avait émis le vœu qu'on rebondit, qu'on fongola pour ce voilà. Chose demandée, chose faite, là, procès Zongi. Le 13 octobre dernier, na prison militaire, il y a Ndolo, les audiences foraines ont eu lieu, et la 4e audience foraine, wana, devant la haute cour militaire, d'un criminé, Mokoya Bato a été cité comme complice ou co-auteur, il y a meurtre, il y a Chebeya na Fidel Bazana, et passé aux AV. Voilà ce qu'il a dit au Salingaï, froid au dos. Et Salingaï, ma lili nanjoto. Ce monsieur passe aux AV et dit tout haut, sans honte ni vergogne, que Bango Babomaki, lui, a participé à l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Tango Babomie, Nami Tendi, Babomie comme toujours, Bazui, Chebeya, Babouaki, Nakati, Nzoto, Nai, Babouaki, Nakati, Moutoukanae, na route vers Mitendi. Et Nzoto, ya Bazana, Bamemi, Yango, Tina, le Pango, ya général, Djadija, c'est là où on l'a enterré. Pire, il dit tout ce qu'il faisait, et Zalaki, Azalaki Osalango, sous ordre, il y a monsieur Christian Kenga Kenga, Boibi, très bien, Christian Kenga Kenga. Il a été arrêté aussi, parce que Christian Kenga Kenga était nakati ya bataillon babengi bataillon Simba. C'est ce bataillon là, bataillon Wanande Mutesalaki, exécution, il y a maître, il y a Ndeko Floribert Chebeya. Bazalagi sous autorité, Bokanga bien, sous autorité, il y a un, général John Numbi, deux, monsieur Daniel Mukalai. Daniel Mukalai, je crois, il est à la prison de Makala, je l'ai vu une fois. Daniel Mukalai, je crois, il est à la prison de Makala. Et Floribert Chebeya, Ndeko John Numbi est en cavale à Mononarate. Il dit tant que Basili Siko Salamoussala na Bangouana. C'est-à-dire. Il y a une résidence, il y a monsieur Malaïsia pour fêter. Donc, il y a un bon Congolais. Il y a un bon Congolais, ça veut dire le bataillon Simba. On tue le Congolais, il y a un bon Congolais, il y a un bon Congolais. Il y a un Chebeya. Babwa ki yango na kati ya mutuka bati e préservatif pour bima kazale ko sala pité nda kufi na basi ya ndumba soni non seulement babomie mais babomie et puis ba nuire image nae. Ils ont tenté yako désacraliser personnalité nae. C'est quelle image qu'un parent un responsable un père de famille akufa pemeni na ba préservatif, ça donne ça renvoie quelle image. Et bango mutu ba mettait en place ce scénario wana pour faire croire qu'il était décédé des suites il y a ba aventure nae sexuelle. Ba sélicité bazi nzoto il y a garde du corps nae, il y a chauffeur nae monsieur Fidel Bazana ba ki nango tina ndaku ya général Djadija ba kundiye wana tango ba silisi ba lobi bazaleki sous ordre ya monsieur Christian Kenga Kenga et le Christian Kenga Kenga était ya bataillon Simba ba bazaleki ko bénéficier mutazai ko chapoter bango et zalaki makambu mutandai ko sala yango c'était le général John Numbi oboyebi malamu wakima
na colonel Daniel Mukalai. Tango basili si forfait na bango et singa ki fallait ba futa bango. Ba kei na ndaku ya Malaysia na résidence na ye et c'est là où ba futi bango s'il vous plaît, c'est là où j'ai eu très mal. $50 à chacun. Boyoki, $50 à chacun. On leur a donné tous $50 à chacun pour basa la fête par rapport à crime au basali. Mes frères congolais, vous êtes de partout dans le monde. Des Congolais ont tué leur semblable pour $50 et ça les Sony. Pour $50, ils ont été capables ya kolongola bomoi. Bomoi d'un grand homme, bomoi d'un parent, bomoi d'un époux, un mari ya mo sinaye parce que ils étaient sous ordre et les ordres et remercier bango na salle besoin na bango à leur donnant $50 Sony pe mawa. Les crimes au basalaka le régime à Kabila par à l'endroit bien monsieur Floribert Chebeya na chauffeur Nefidel Bazana, ce sont des crimes d'état et les crimes d'état et lui marambangouté et zoakaton, c'était depuis 2010 le tout en 2021 11 ans après vérité et komiko bima et je suis sûr que Oezali, première série, il y a ma révélation. Ma révélation choc. Echo Bima. Et ainsi, moi, je demande à la justice de tout mettre en herbe, les parquets notamment, pour que va retrouver John Numbi. Parce que vrai John Numbi est le vrai instigateur et commanditaire, il y a Mère Trovanon. Tant qu'il sera en cavale, la vraie responsabilité ne sera pas établie. Mesdames et messieurs, voilà comment les Congolais sont prêts à tuer leurs frères, à tuer leurs semblables pour des miettes. Pour des miettes. On vous donne des miettes, vous tuez votre semblable. C'est bien dommage. Que ça nous enseigne et que ça nous pousse à réfléchir des fois sur notre perception de la vie et notre respect sur la sacralité de la vie humaine. Ndeko, tout ceci dossier à Liboso, tout ça y kobeta. Toki na dossier ami balé au ndenga no saki yango. Lobi 14 octobre 2021, le premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde a lancé qui bongo ba projet moko pour na Kinshasa. Ba bengi yango projet Kinshasa zéro trou. Récemment lors de notre dernier conseil de ministres, monsieur le président de la République est revenu sur la problématique des embouteillages et des bouchons dans la ville de Kinshasa. Mais au-delà de ça, le problème de civisme routier. Et donc, parmi les causes qui sont données des différents bouchons et embouteillages que nous avons dans la ville de Kinshasa, ça a été dit ici. C'est d'abord le civisme routier des uns et des autres, de tous les Congolais, particulièrement les Kinois, ici dans la ville de Kinshasa. C'est le problème de la circulation routière, celle qui est assurée par notre police de circulation routière, qui doit être redynamisée. Et puis, c'est la question des voiries. Ici, nous sommes là dans le cadre des voiries, qui doivent être complètement réhabilitées, pour que eux ne soient plus une cause ou une raison à ces multiples bouchons auxquels nous assistons dans la ville. À côté de ça, c'est permettre aussi que nous puissions avoir des voies secondaires. Parce que comme vous savez, ce qui rend la circulation difficile dans la ville de Kinshasa, c'est que nous avons très peu de voies d'accès vers les points centraux de la ville. Et donc ici, si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça devrait aussi désengorger les axes principaux. Donc on est là dans ce cadre, c'est aussi pour répondre une fois de plus à la vision, à l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer le quotidien des Kinois en particulier ici et des Congolais en général, particulièrement dans la circulation routière. C'est là le but de notre visite et nous encourageons le ministère. Alobi, ils allaient répondre sur le gouvernement pour qu'on lutte contre l'embouteillage, puis bouchon ou ils allaient qu'on nyokola vie paisible citoyen na ville province de Kinshasa. Vous savez que on a qui pour qu'on tambola de quitter un bout y a ville pour un autre bout, c'est ça la 2 heures 3 heures, c'est vraiment chiant qu'on tambola na ville province de Kinshasa parce que tout simplement excusez bactère et belé
Et ça, il y a combien, bah, ma boulou partout, partout, partout. C'est comme si la ville n'est pas gouvernée. Et le premier ministre a lobby, et ça, il y a réponse, il y a gouvernement de la République, sous la vision du président de la République, pour que, bah, lutter contre, bah, bouteillage, mais aussi, bah, bouchon, et ça, il y a rendre circulation difficile, et ça, il y a rendre circulation calvaire, la ville promène de Kinshasa. Projet Wana, et ça, il pour 6 mois, et on s'étend pour 6 mois, et qu'on permettre et qu'on touche 46 acteurs principaux de la ville province de Kinshasa, et qu'on a là pour quelques 80 km², c'est-à-dire 82 km², et qu'au global, Nayango et Ali à peu près 32 millions de dollars. Je salue l'initiative, mais seulement que la République démocratique du Congo va initier le projet et qu'on aura opportunité pour Batouba Iba. Et Sengeli, que Mbongo et Salama n'embattage au Ezali et Sengeli parce que fluidité à circulation la ville promenée qui chasse Ezali serait problème au matin la transport na Moulungé na Basolo et ainsi de suite na Banzala vous faites 2 heures na quatre embouteillages 2 heures na quatre bouchons nous allons tout embouteiller mais je pense en plus il y a qu'au résoudre Makambo il y a fluidité par rapport à Banzala et Sengeli aussi qu'au travailler sur le comportement des roulages parce que Ezali moko il y a ma cause il y a ma bouchon p embouteillage dans la ville pour moi de Kinshasa. Et en plus, il faut chauffeur, travailler sur le chauffeur. Beaucoup de voyous nous conduisent dans les routes. Je l'ai dit, beaucoup de voyous nous conduisent dans les routes. Des gens qui ne sont pas formés, tanga kokumbate, bazali n'a permis de conduire, bazali kotambula, vaike, vaike. C'est comme si des gens qui amènent de bandeko pour moi qui ne kokoufa. J'ai clos ces deux fossiers, je salue l'initiative du gouvernement, mais seulement tout le monde a un go. Bah non, c'était, et ça l'a bah respecter ton. 6 mois, bah lui, 6 mois, 6 mois, tout le monde a mis ça là, et si lui, et permettre, bah, qu'il n'y ait pas tambola, na kimia, pénécé, en non, tambola, n'y tout ça là, yango, où vous faites 2 heures, 3 heures, 4 heures, na kati, y a un embouteillage. Tout ça, ici, dossier, il y a projet, oh, na bengi, projet Kinshasa 03, au premier ministre de la Sagui Lobby. To koti na makambo ya réactivation na liste de pays ya sekop ya ba école. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, moyibi corruption et kota bisoti na kati ADN. Les gens vivent de la corruption, c'est marié na corruption et achètent des véhicules dans la corruption, achètent des parcelles de terrain dans la corruption. Ça veut dire ça mode de vie et comment mode de vie les vols en République démocratique du Congo. Il y a des écoles sous haute monde à raison des écoles fictives qui n'existent nulle part, qui n'existent que dans la tête et dans le chimère et batuba sala yango mais ba toucher un bon ya l'état. Et le ministre, il y a EPST, mini patron, il y a enseignement primaire, secondaire et technique, a l'ingé qu'il y a mon clair là-dessus. Ainsi, une commission a été instituée pour na kota là sur la fiabilité de l'école. Est-ce que l'école est fiable? Est-ce qu'ils ont la capena ya solo? Tant à Tali, beaucoup d'écoles ont été désactivées dans la liste de pays, de SECOP, parce que ce sont des écoles qui ne sont pas fiables. Mais recours et Zalaki et Salamaki, certaines écoles ont introduit lettre dans le recours pour que tala, vous allez fiable. Et parce que tant que vous avez désactivé, conséquence c'est que et décourager enseignant de dé enseignant tant que vous avez découragé peuvent plus enseigner et école colo école les enseignants les élèves et les parents basé la psychose. Le ministre lobby jeudi 14 octobre a annoncé réactivation dans la liste des pays à SECOP, il y a école wana ebele. Liste bimaki, donc autant la liste école wana nisoté, ils allaient tellement ebele et ça li esengo makasi na ba enseignants pe na ba parents. Et je pense que le ministre est en aux 8 décisions et que quand les gens bazali ko démontrer ba démontrer effectivement que bazali la légalité qui basali ko sala musala nenge sengele il est normal pour un responsable à revenir sur sa décision. Je salue la décision du ministre Tony Mwamba patron SECOP na eloko asalaki mokolo ya lobby et pour chuter Tzobetali solo ya Lamuka. Lamuka a organisé marche le 16 octobre. Ils ont saisi le gouverneur de la ville province de Kinshasa, le monsieur Gentili Ngobilambaka sur la marche off bazali ko sala le 16 octobre. Marche na bango ezali ponani. La marche est organisée d'après Makambo Balobi, d'après Bandeko ya coalition Lamuka, ezali ko salama pour qu'on lutte contre politisation en CENI. C'est-à-dire, bazo bunda pour la dépolitisation, il y a CENI. C'est ça l'objectif, il y a marche. Ils ont organisé une réunion avec l'autorité provinciale, à l'issue de laquelle
l'autorité provinciale a soit qui acte il y a manifestation na bango, ça c'est le 1. Il y a marche na bango, et le 2 définissait qui ensemble itinéraire. Vous savez que le gouverneur de la ville a autant qu'il institué instauré zone il y a pomme tété ti massine à côté aéroport lui ils allaient zone au bateau ça la marche té ainsi le rôle la décision na ezali kaka en vigueur à Sengi ba délocaliser marche na bango tala itinéraire. La marche va commencer na marché Yangaba, précisément na Veni Kianza, sur la Veni Kianza. Après Kolongwa, na Kianza, baleki Super Lemba. Après Super Lemba, baleki Aveni Sefu, na Fikin, après Fikin, échangeur, boulevard Lumumba, na Premieri, Kohidro. Marche est aussi là, Isikawana. Je note que le gouverneur de la ville a arrêté avec ses bêtises. Il y a telle et telle marche parce que nous sommes dans une démocratie. Les marches doivent s'exercer, mais les marches doivent aussi respecter la loi et ne pas perturber l'ordre public, tout comme qu'on dérange ma paisible citoyen basa concerné la marche. Parce que ville province de Kinshasa, avec plus de 12 millions de Congolais, c'est pas 12 millions de Congolais barubima pour la marche. Il y a la Mouka. Parce que la société politique et si Mbaranangouka a une portion de la population, ce n'est pas tout le peuple qui est dans la manifestation, va aller actif. Et du coup, tant que nous coalition, les gens qui sont politique, nous avons la manifestation X ou Y, et c'est un élément qui va être concerné dans la marche, va là en sécurité et va dans la liberté. Il y a quoi, c'est mon foie. Je salue la sagesse. Pour une fois, il y a Jean-Tony Ngobila parce qu'il nous a habitués à rebouer à la marche et l'idée dans ces PLP que la coalition de la Mouka s'est conformée à se montrer coopérative na Ebayokani, de commun accord avec l'hôtel de la ville par rapport à la marche de Mongo le 16 octobre. Mais seulement, je me demande est-ce que la police, et puis pour chuter, le gouverneur de la ville a demandé à l'inspecteur provincial de la police, le général Silvano Kasongo, à tout en œuvre pour que à sécuriser les manifestants, tout comme Bandeko Obaza concerné la marche. De deux, il a demandé au bourgmestre de la commune de Ngaba, parce que Ngaba qui s'agit pour marcher comme Ngaba, et plus précisément na Avenue Kianza, et Longwe Ngaba, et qui est Super Lemba, de Super Lemba, et qui est Avenue Sefu, Sefu, et Bwakamina Fikin, de Fikin, et les qui est échangeur, et qui est na boulevard Lumumba, plus précisément na Premieri, na Kohidro. C'est-à-dire, le grand marche de Ngaba, les bourgmestres et la commune de Ngaba et Sengile à sa disposition administrative, sécuritaire et autres pour que Ezala bien encadré. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous ce matin, 15 octobre 2021, sur le sujet d'actualité qui ont défrayé la chronique en République démocratique du Congo. Comme je voulais annoncer hier, avant-hier et le jour d'avant, que vous serez tenu, vous êtes désormais avec M. Uri Tingashi chaque jour du lundi au samedi, du lundi au samedi, sur les sujets d'actualité qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Si j'ai pu venir vous attendre là, vous êtes, c'est grâce à mon frère derrière la caméra, de Konangaï Onalingaramingi Rodrigue, un gars cool, donc le chasseur d'image. Et je finis pour remercier maman Pauline Lumumba, Yemuta Pesibiso, cadre, opportunité, mais aussi cet instrument pour que tu éveilles les Congolais, tu partages avec nous, tu es allé de partout dans le monde sur les sujets d'actualité, mais aussi l'actualité politique, Oyo et Zali marquante en République démocratique du Congo. Ce qui nous a bien zongité, tu kokutana lobby. D'ici là, portez-vous, car chaque jour est une vie. Ciao, ciao. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie,
UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino côté mbongo. Moyibe yate lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le Grand Congo. Merci Malobaya, présidente RDC Monde Pauline Lumumba à Genève.